Nao, c'est moi. Préparation du jeu. Alors, je sais pas, je vais découvrir avec vous. J'ai pas vu le jeu avant, je me suis pas tease. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui y ont joué, vous l'avez peut-être déjà vu ailleurs. Si j'ai bien compris le concept, nous allons aller dans la nature et prendre des photos des Pokémon. Incroyable. Oh, un Kenetor en bikini. Incroyable. Il est incroyable et c'est ultra chill. Alors, je savais pas. En France, c'est Blaze. Qu'est-ce que je mets? Oh, je sais pas là, vous me. De la bouillie de Pikachu, tout à fait, c'est ce matin. Oh, est-ce qu'on va avoir un Pikachu? J'aimerais bien. Non, moi, mon Pokémon préféré. Bon, j'étais amoureuse, mais vraiment dans la série en fait. Hein, donc, première génération, hein. C'était Togepi. Togepri, est-ce qu'on met japonais, anglais ou pas de doublage? Jap. Bon, aucune idée, hein. Là, vraiment, je ne sais que choisir. Ça me fait penser que je me suis pas hydratée depuis un bon moment. Tout ce débat sur la sexualisation des streameuses sans aucune goutte d'eau. On met en VO? Ouais, du coup, deuxième génération. Ah, en fait, je crois que j'ai arrêté Pokémon. Le cœur complètement brisé. La série, évidemment. L'animé, du moins. Quand Ondine et Pierre n'étaient plus dans l'aventure. Ça me... J'étais dévastée. Très très déçu de ce roussisme évident dans ce jeu vidéo. Où sont les roues? Ah, pour mettre des personnages de couleur, il y a du monde. Et les roues sont encore les grands absents. Et Ondine. Bon. Je suis peut-être plus blonde du coup. On va aller vers la blondeur. Les albinos, hein, mais j'avoue. Nao, c'est validé. C'est un très beau prénom, ça. Cela vous convient-il? Oh oui, c'est formidable. Enfin non, elle est pas rousse. C'est pas si formidable, en fait. Oh, c'est trop beau. Bon, vous avez des pixels, mais moi, vraiment, je kiffe. En plus, on a commencé par voir Pikachu direct. Attendez, mais il y a plein de Pokémon, je connais pas leur nom là. Évoli! Un chien! On dirait un chien qui s'est roulé dans les moutons de poussière sous le lit. Bonjour! Je suis le professeur Chêne. Ah ouais, bah. Ah non, c'est professeur Miroir! Pourquoi? Quel est le rapport avec un miroir? Ah, te voilà! Bonjour à toi et bienvenue au laboratoire Pokémon de sciences naturelles de Lantis. Je me présente, je suis le professeur Miroir. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Appareil photo, miroir. Ah! Mais oui! Je suis ici sur l'île d'Anthos pour étudier les Pokémon ainsi que leur habitat naturel. Mais pas seulement. Le professeur compte bien étudier toutes les autres îles de Lantis aussi. Ils ont tous des coiffures incroyables. Ils ont tous des mèches rebelles. Ils se sont pas coiffés ce matin en se levant. Dommage. Et personne n'a encore fait, tu te rends compte, c'est des recherches complètement inédites. Dis-moi, tu ne serais pas en train d'oublier un certain Victor par hasard. Ah, on a un Némésis aussi dans ce jeu. Oh, oups, c'est vrai, toi aussi tu as déjà dû lire Aventure Alantis, les récits de voyage du Capitaine Victor, le célèbre aventurier. Mais bon. Elles ont quand même 100 ans ces histoires, donc ça changera rien au fait qu'elles sont géniales. Vos recherches, professeur. Ah, eh bien merci, ton enthousiasme me fait plaisir. Je te présente Rita, c'est la fille d'un bon ami à moi. Elle est de visite pour les vacances. Mais professeur, je ne suis pas venue ici pour m'amuser, je suis votre assistante. Tu as tout à fait raison, et heureusement que tu es là, ton aide m'est toujours très précieuse. Maintenant, que dirais-tu d'aborder plus en détail le rôle que tu auras joué dans tout ça? On veut savoir. Je vous propose d'en discuter au laboratoire, on y sera plus au calme. Ok. On va savoir quel est le but, quelle est notre mission ultime. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon là derrière? On dirait un Ramoulos mais qui marche. Il est trop beau.
Attendez, je connais pas la moitié des Pokémon. C'est un... Non mais oui! Un non mais oui! Un non mais oui! Mais pourquoi? Il dit non mais oui. Non mais oui! Comme tu as peut-être remarqué, de nombreux Pokémon vivent à Lantis. Pokémon 5G. Oh, non mais hey, moi je suis une inculte là au niveau des générations plus. Ok, on va apprendre le nom des Pokémon, on fera un quiz à la fin. Trop mignon là-haut. Il y a un Amtaro sauvage qui court. En les photographiant, on peut en apprendre plus sur leur mode de vie ainsi que sur leur environnement. Et c'est là que tu entres en jeu. J'aimerais que tu explores les îles pour photographier les Pokémon dans leur habitat naturel. Je trouve ça trop cool. Lani, tu croiseras peut-être des Pokémon qui brillent. Tu verras, ils sont trop beaux. C'est des shiny quoi la nuit. Très moderne. Un explo réflexe. Développé spécifiquement pour nos recherches. Cours, Aptaro, cours! T'inquiète pas, je ne connais pas masse les nouvelles générations non plus. Moi aussi j'en ai un, on pourra s'en servir pour s'envoyer des messages. Ah, elle veut discuter avec ma personne. Le Hamtaro, c'est Deden. Je préfère l'appeler Hamtaro. Est-ce que vous vous offusquez si je le rename? Ah, j'ai pris la meilleure photo dans le vide. J'espère qu'il n'y a pas le problème des appareils photo. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Tu vas pour prendre une photo. Sauf que la photo que t'avais prise juste avant, c'était en mode selfie. Du coup, alors que t'allais pour prendre un magnifique paysage, ce que tu vois de retour sur ta caméra, c'est ta gueule. Pas sa meilleure valeur. Ah. J'suis toujours choquée quand ça m'arrive. Je me fais. C'est pas ça que je veux! Ok! Très bien, moi je suis prête à apprendre. Oh, il tombe à pic celui-là! Un papillusion! Appuie sur A pour prendre la photo. Ah, c'est un prise mignon, mais pas du tout. Et maintenant, si tu essayais de déplacer l'objectif pour bien cadrer la photo. Ouais, le viseur, on le décale, quoi. Très bien. J'essaye, j'essaye. Derrière le bâtiment là, comment je... Il y en a peut-être d'autres. Ah! Oh! Un Pikachu! Il est trop beau, il est trop beau! Tu as vu cette icône carrée qui est apparue autour du Pokémon? Le sujet principal! Il faut bien viser. Salut Enemy Game, merci beaucoup pour le resub, j'attends le level up niveau 10. Merci infiniment pour le soutien. Oh! Il sourit sur la photo! Fais voir, je peux voir? Ah, on peut zoomer, mais oui, bien sûr. Gros plan! Oh! Je sais pas si j'ai bien réussi. Je sens que je vais galérer à prendre les photos. Mais Nao, tu avais eu envie de faire Pokémon épée ou bouclier? Je crois que oui, mais on l'avait pas fini. En fait, sachez qu'il y a énormément de jeux que je commence et que je ne finis pas. Est-ce que ce jeu va se rajouter à la liste infinie des jeux que j'ai commencé et que je ne terminerai jamais? Peut-être. Merci Lapise pour le resub. Oh, niveau 33, incroyable. Trois photos de Pokémon. Comment ça? Mes photos sont notées. Comment ça, j'ai... Oh. Oh! Oh, je fais des photos, une étoile. Oh, mais les photos sont floues comme ma connexion internet. Oh non, mais... Oh non, mais... Elles sont nulles, mes photos! Mais je croyais que j'avais trop bien pris des belles photos, mais pas du tout! Oh, Pikachu, génial! Mais la pose est nulle! Total, une étoile. Mais on dirait... Oh, on dirait les paramètres... tu sais, quand tu... Les avis, là, sur Uber...
Merde. L'harmonie de la photo, le cadrage. Attends, mais je savais pas que c'était. Moi, je croyais juste qu'il fallait que je prenne en photo des Pokémon. Je savais pas que il fallait que la photo soit belle en plus. C'est terrible! C'est une très belle photo! Ah bon? Alors pourquoi elle a qu'une étoile? Vas-y, mets-moi plus là! J'ai un prise million de dos! C'est pas mal! Au moins on voit bien le dessin de ses ailes! Jugez pas! Iboud! Oh, je sens que je vais faire des photos horribles. Merci beaucoup, Akaki, sur le message, j'ai enlevé le niveau 6. Bouh! Ah, une fois tes photos évaluées, elles seront ajoutées à ton propre. Un photodex Pokémon, mais évidemment. Allez, l'aventure n'attend que toi. Ah, c'est parti, je suis prête. Allons capturer des Pokémon dans leur environnement sauvage. En tout cas, l'image des Pokémon. Ah, c'est un véhicule? Oh, excellent! Vous trouvez pas qu'il a une petite allure de Wally? C'est le Neo One! Neo! Comme Neo et Swan sur YouTube? Très bien. J'ai des bonnes refs, t'as vu? Je vibre! Où on est parti? Très très stylé. On peut changer la description des photos qu'on a prises. MDR. Ah ouais non Matrice j'aurais pu y penser mais non hein. Raté. Mais attends mais il y a beaucoup trop de Pokémon. Un pichu! Et où est l'autre? Merde! Attendez, ça n'a aucun sens! Oh là là, je prends tous. Ah non, mais là. Oh, oh magnifique! Magnifique! Incroyable! Et il y a un papillon! Oh non, mais cette photo! Il doit se passer des choses de l'autre côté! Petit cours d'eau! J'ai raté tout ce qu'il y avait de l'autre côté, je suis sûre! Ah oui, il faut zoomer! Bien vu! Un chenipote! Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Oh, de profil! Magnifique! Tu es magnifique, mon chéri! Voilà, j'ai. Non! C'est des pommes! Je prends tout! Je prends tout en photo, c'est terrible! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? C'est. Aucune idée! Oh! Un chenipote dans un arbre. Ça, c'est dans son environnement naturel. Incroyable! Oh, regardez ce de face! Des hirondelles! Par milliard! Ah, oh, peut-être il y a des trucs en haut. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Un lac. Un lac, mais signe. Le lac des cygnes! Oh merde, on est limité. Il reste que 9 photos. Oh non, professeur, pourquoi vous m'a. Magie, carpe en l'air! Oh merde, on a une pellicule! Mais qui a inventé ce concept horrible? Ah bah non, mais c'est tout raté là! Vas-y, Magikarp! Fais le geyser! Je veux l'avoir en l'air, je veux l'avoir en l'air, je vais l'avoir en l'air! Il va aller en l'air! Il va aller en l'air! En l'air! En l'air à tout moment! Non! Non! Et là, il évolue! Et là, il évolue! Putain, mais il sautait comme je sais pas quoi tout à l'heure! Putain, Magikarp nul là, il y a un caillou devant maintenant. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Oh, trop mignon. Trop mims. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de l'autre côté? Un caillou. Lui, j'ai déjà pris.
Mais c'est dur, hein, de prendre le... Bon. Non, en vrai, j'adore cette photo. Il va pas vouloir sauter, hein, terrible. Qu'est-ce que c'est, des chenipotes, ça, on en a. Ça, j'ai plus que 4 photos. Du papillon, on en a aussi. Après, on a du papillon avec de la hirondelle, là. Oh non, mais il y a 4 photos, là, il faut que je sélectionne bien, hein. Oh my god. Qu'est-ce que c'est ça? C'est beau! C'est si beau! Comment ça, c'est la fin? Disclaimer, si vous emmenez Nao à un parc safari, pensez à amener 50 pellicules. Les pellicules n'existent plus, voilà, moi je pensais que c'était du numérique. Ah, c'est l'arrivée, très bien. Oh, il reste une photo! Attends, il me reste une photo, il me reste une photo! Vite! Non! Il me reste une photo sur ma pellicule. Qui n'est pas prise, du coup. Salut, Light Sushi! Bon, voyons voir. Waouh, j'ai pris 71 photos pour 11 Pokémon. Bon, est-ce qu'on a du 4 étoiles, là? Oh, une photo par Pokémon. Attends, mais j'ai pris combien de photos, wesh? Mais j'ai que du 1 étoile! Oh non, c'est si nul! J'ai mitraillé Chenipote. Hein. Mais par contre. Une étoile! Une étoile ou c'est juste que c'est pas vraiment. Que c'est pas noté en fait? Non, c'est une étoile, y a pas à tortiller du cul. Bon, écoutez. Moi, je l'aime bien de profil. J'ai fait un gif de Chenipote. J'aime bien celle-là parce qu'il a une petite patte en l'air. Ou alors là parce qu'il présente... Ah, je sais pas. C'est vraiment... Faut être prêt. Celle-là est mignonne aussi. Là, il est trop près du brin d'herbe. Allez, Chenipote, c'est validé. Oh non, mais... Bon. Là, il fait dodo. Je prends tous les Pokémon de dos. Il n'y a rien qui va. Celle-là, elle est pas mal. Incroyable! Non! Attends! Il y en a d'autres. Mais tout est une étoile! Foutez de ma gueule. Hein? Attendez, on me parle. Oui, tu disais? J'ai pas compris. Elle se sert du babyphone. J'ai pas compris. C'est haché, tu parles trop fort dedans. Ah! J'ai dit des gros mots? Ah mince. Ah, je me fais Big Brother. Aïe. En comique avec le babyphone. Ça fait interphone, j'étais daronnette, j'ai dit un gros mot. Bon alors attendez, lequel on prend? J'avoue que... Non mais celui-là est pas mal. Bon. Mon dieu, ce cadrage. Je suis Daronhead. Non alors... Franchement... Je dois mettre 1€ dans la boîte à Myrthe, elle a dit. Regardez ça. Ça c'est beau, non? Il est fier, il est majestueux, il y a des taurus en arrière-plan, un papillusion derrière. C'est beau. Ah je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, entre la 9 et la 10, mon cœur balance. Je
prendre la 10. C'est pas des taureaux, ça. Merde, c'est quoi alors? Bon bah pichu, mais de dos, hein, pour pas changer, hein, vraiment. Pichu de dos. On va prendre le dos le plus proche. Ah bah très bien. Vraiment des photos de... Ah c'est des frisons. Oh, mais c'est des frisons. Oh mais mes photos sont toutes moches. Pourtant j'ai vitraillé. Fallait que je zoome, mais quelle erreur aussi. Ah, celui-là il est magnifique. Arrêtez-vous. Ce prismillon en gros plan. Pourquoi 240p en source? Je vais mettre un truc 4G parisienne aide dans le titre parce que... Guériland. Putain mais pourquoi mes photos sont si moches? C'est magnifique, il y a plusieurs Pokémon et tout. C'est pas possible, c'est juste que... C'est pas validé encore. J'hésite avec ceux qui volent, franchement. Celui dans l'eau était assez simple à prendre. Regardez celle-là, classe. Bon, Magikarp, celle-là c'est la plus belle. Très beau. Ouais, j'ai pris des trucs aussi. Voilà, bon, montre au prof. C'est lui qui met les points après, il met les étoiles. Non, c'est une étoile. Hein. Sans... Ah si, c'est lui qui attribue les étoiles. Attendez, 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 attendez. Non, c'est une étoile. Hein. Ça bouge pas. C'est une étoile, ça bouge pas. Bon bah pichu de dos, ça sera pas le meilleur truc. Ah 4G. Merci Shipman, génial cette commande. Bah oui, Stampo de dos, c'est nul, ouais c'est nul. Hein. Oh là 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 là. Ah j'ai pas zoomé, terrible. Bon je suis pas la photographe de l'année. Hein. Oh nouveau record. Ah trop bien. Cette photo est mieux, mais c'est toujours une étoile. En fait, Nao, plus le Pokémon fera une action spécifique, plus ça donnera d'étoiles. Et les étoiles sont classées de bronze à diamant. Ah, tu veux dire que... Oh, j'ai une étoile en bronze. Alors après, l'étape après, c'est une étoile en argent, une étoile en or. Et enfin, enfin, on passe aux deux étoiles. Ah, oh, c'est compliqué, hein. Alors là, il vole! C'est formidable! Une étoile en argent. Bon. Il est magnifique. Ce Magikarp est magnifique. En argent. C'est mérité, l'argent. Ouais, donc si je prends des belles photos, je peux avoir les 2-3 étoiles, mais là c'est compliqué quoi. Non, on va retenter partir faire une exploration. Et on va essayer de faire ça bien. Oh! Ma première exploration! 1000 points dans le cadrage, trop bien! Pourtant, c'était pas ça. Hein. Pourquoi j'ai cliqué sur ça? Oh mon dieu, toutes les photos que j'ai prises de toute ma vie entière seront conservées. Incroyable. Des souvenirs mémorables. Rentrez à la base. Magikarp, c'est le Pokémon le moins gracieux de tous les temps. Je le trouve magnifique. Magikarp, il évolue quand même un truc assez stylé, quoi. Oh! On va aller la nuit? Ah non, j'ai cru. Mais non. Ça va faire un paquet de photos. Ouais, ça coûte cher en pellicule. Alors qu'est-ce qu'on va? On va au laboratoire ou on va... Moi j'ai envie d'aller explorer. Labo. Allons voir au labo d'abord. Qu'est-ce qu'elle me dit? Euh,
Alors, les données récoltées, très bien. L'encyclopédie de mes photos, incroyable. Mon photodex. Mes albums photos. Un mode en ligne? Je savais pas. Oh! Attends, vous voulez dire qu'il y a un ladder de nos photos? C'est trop beau! Oh, le chenipot qui bronze! Des trucs. Ah, ok. Attends, donc ils ont réussi à prendre ces photos là sur ce que j'ai. Mais quelle horreur! Ils prennent des photos de ouf! Vas-y, on y retourne en exploration là. Voilà, je vais prendre mes meilleures photos. Ils ont pris des photos trop bien. Attends, mais tu peux tryhard à un moment les photos quoi? Pourquoi je fais le tuto? Pardon, on m'apprend autre chose. Un radar? Ah! Le nom du Pokémon s'est affiché. Oui, tout à fait. Une analyse. Analysons mon véhicule! C'est que le début. Non mais quand même. D'accord. Le radar. Il émet des sons et des ondes radio qui peuvent faire réagir certains Pokémon. Ah oh oui, c'est comme si on leur faisait coucou. Ils nous regardent et pouf, cliché. Ah bah ça on va essayer. Peut-être on aura notre première photo de 2 étoiles. Ok, le radar, c'est la commande X. Très bien, je suis prête. Allez, on y va! Un parc arboré pour observer les Pokémon dans leur état naturel. Bah, il faut forcément que j'aille là, j'ai rien d'autre. J'ai pas d'autre choix. Le parc de jour! Ah, donc, ouais, il y a le petit circuit à chaque fois, c'est trop marrant. J'adore! Il y a combien de Pokémon à prendre en photo? T'imagines, on essaye de prendre les meilleurs clichés. Allez, c'est parti! Cette fois, je zoome et je radarise. Incroyable. Ils sont trop loin! Il y a un panneau! Oh, il dort! Au moins j'ai zoomé. Oh mais il se casse. Le fou. Non. Je lui ai fait peur. Nul. Qu'est-ce qu'il y a là?
Un Pokémon facétieux. Je les ai eus ou pas? Ah, tous les trucs, il y a mon radar là qui s'agite. Bon, attention les hirondelles là. Flûte. Bah c'est pas une photo que je devrais, c'est une vidéo là. J'ai l'impression que j'ai raté. Attendez, attendez, le petit castor là. Mais quel BG! Il nage! Il disparaît derrière son petit nid. Merde alors, il se passe des trucs de tous les sens! Tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Bah oui mais du coup c'est compliqué là. What the fuck. Il fait coucou. Oh, on arrive à la fin et j'ai pas pris beaucoup de photos là pour le coup. J'ai pas mitraillé de ouf. Allez, je mitraille les Guérilandes là. J'ai fait des trucs et des machins. Allez, Papillusion, fais-moi ton... Oh, il est beau. Prise million, mais pourquoi je veux l'appeler Papillusion? Oh, mais il est très choupinet. Bon. On arrive à la fin. Hein. Mais j'ai pas radarisé sur elle? Ah non. Peut-être pas. Hein. J'ai pris que des photos de qui? C'est pas vrai. Flûte. Oh là là, j'espère que j'ai une deux étoiles là dans l'eau. En tout cas, on a un nouveau Pokémon déjà. Oh, celle-là, elle est trop bien. Deux étoiles! Deux étoiles! Oh! Deux étoiles! Oh! Deux étoiles aussi! Regardez mes cocos avec sa petite patte, trop bien! Je l'ai eu en l'air! Ah, c'est Oot Oot. Ah oui, mais je l'avais pas reconnu. Pourtant, je le connais. Oh là là, je l'ai que en une étoile. Pourtant, elle est jolie, là, avec ses fleurs. Allez, hop. Ah, on peut augmenter la qualité de l'appareil photo. Eh, c'est mes premières photos des étoiles, je pense qu'on peut se féliciter. Mais regarde celle-là, elle est incroyable. Coucou. Fichu, trop mignon. Oh là là. Incroyablement cute. Oot Oot, pas dans son angle le plus flatteur. Sa petite patte qui sort du lit, quoi. Et Florges, je vais l'appeler. Ça
la nouvelle. Allez, niveau 2. Peut-être nous avons une nouvelle zone à explorer du coup. Qu'est-ce que j'ai gagné? 1000 points dans angle de vue, des succès, photos de groupe, incroyable. Oh, j'ai envie de faire une nouvelle exploration dans une nouvelle zone avec de nouveaux Pokémon. Oh, vous pouvez prendre jusqu'à 72 photos par exploration. Faites attention car à moins que cela ne soit votre première exploration, eh ben, ça coupe l'exploration si j'ai plus de photos. Ah, ça y est, de nuit. On va voir des Pokémon qui brillent. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. La nuit, tous les Pokémon brillent. Allez, ça change tout! Des spectres? Tu veux dire qu'il y a des fantômes? Les Pokémon de Tchernobyl sont très gentils. Un cul! Coucou! Oh. Il dort, il est très joli. Pas se faire photographier lui. Je vais l'avoir. Attends. Tu vas voir. Allez. Celle-ci va être trop belle, c'est validé. C'est quoi ça? Oh mon dieu. Oh, c'est beau. Celle-là était bien cadrée, je pense. Oh, il vole. Oh, c'est magnifique. Tellement... Oh, dans ce ciel avec les étoiles. Incroyable. Je sais pas, je prends des trucs juste parce que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Bon, mon cadrage hasardeux là. Un lac de Messine qui vole ! Oh, attends, mais il y a des petits ? Oh, il y a des petits. Un Quanton ! Mais c'est nouveau ça, ils étaient pas là la journée. Oh non! Oh regarde cette... Oh il est si cute! Oh, je lui fais peur. C'est beau! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est Oot! Merde, qu'est-ce que j'ai raté? Un roux carnage! Mais ouais, mais il monte son cul lui aussi. Regardez. Oh. Oh là là. Ah mais il dort là. Il pionce. Oh c'est trop mims. Oh c'est trop mims. Ah j'adore. Voilà bon c'est le cadrage hasardeux. Ouais je réveille tous les Pokémon. Mais c'est pas grave. Regarde-moi Scarabrut. Par ici. Scarabrut une photo. J'ai l'impression d'être une paparazzi. Une fucking paparazzi. Scarabrut une photo, c'est maintenant ou jamais. J'ai plus de photos. Mais non.
Oh, j'avais pas vu qu'il m'en restait qu'une, j'ai trop mitraillé. Alors que celui-là, il est réveillé. Oh là là, j'ai envie de mitrailler, j'ai plus de pellicule. Ça y est, c'est la fin. Bon bah, on a plus qu'à admirer la nature, la nuit, la nature sauvage. Vous pensez que j'ai des belles photos là? J'espère que j'ai des belles photos. Une grande quantité d'énergie auprès de moi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal. C'est pas normal que le radar brille? Je pense que si. Attention, verdict! Oh là là, est-ce qu'on a des 2, 3 étoiles, 4 étoiles peut-être? Déjà lui. Regardez ça. Oh, regardez ça, des 2 étoiles. Alors, oh là là, la... oh bah je préfère celle-là. Celle-là, elle est ultra cute. Regarde! Ok, les frisons. Oh. Oh! Oh, c'est... Oh bah c'est très très stylé. Avec le petit lapin en feu. Ah, j'avais pas vu qu'il fallait que j'utilise le radar. Moi, je trouve ça canon. Bon, bah, celle-là, elle est ratée, on est d'accord. Oh, 3 étoiles! Attends, vous voulez rire? Ça, c'est des 2 étoiles? Ça c'est 2 étoiles, ça. What the fuck? Ça, c'est 2 étoiles, ça. Je trouve celle-là plus stylée que celle-là. Mais regarde cette photo qui n'a aucun sens. Ça c'est du 2 étoiles ça. De Scarabrut. 2 étoiles le cul de Carabrut. 2 étoiles, allez hop. J'avoue que c'est stylé. Allez hop. Il y avait pas mieux hein. Non, il n'y a pas mieux. C'est la 3 étoiles. Quanton! Oh, des quantons 2 étoiles. Très mignon tout ça. Oh, carnage, c'est nouveau. C'est beau comme ça. Mais comment ça, cette photo trop chou, elle a qu'une étoile. Comment ça, ça peut... Comment ça? Cette photo là. Ça c'est une photo une étoile. Le cul de Scarabrut c'est 2 étoiles. Mais ça 3 Pokémon ultra cute en plein sommeil, c'est une étoile. On se fout de notre gueule. Et mon hoot. Tellement stylé là! Je lui mets une photo de lui réveillé quand même. Le cul! On sexualise les Pokémon, y'a un problème ici hein! C'est parce que le. Oh là 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 là! Elle est trop bien celle-là! Il sourit et tout! Ça c'est une 4 étoiles, je suis désolée, c'est une 4 étoiles! Ça, c'est clairement une photo du Flambino et pas du Frison, mais bon. Celle-là, elle est très stylée, je trouve. Bon, celle-là, elle est moche. Elle est ratée. Bon, la 3 étoiles du cornet, bon, allez, c'est validé. Hein. Moi, je prends les 3 étoiles si vous me les donnez, y a pas de problème. Scarabrut horrible. Peut-être juste parce qu'elle est bien cadrée, tu sais. Le Quanton, c'est la nouveauté. Hop. 2 étoiles directes. Ah, le Hoot, beaucoup mieux. Beaucoup plus joli. Plus de points. On est mal noté, hein. Ah, on en convient tous.
Mais cette photo est incroyable. Ah, peut-être que les balises, je vais les prendre en photo, je sais pas. Excellente question. Oh, merci Harpocrate pour le resub, j'ai toi le niveau 6, merci infiniment pour le soutien, ça fait plaisir. Oh. Parcours de nuit validé. Succès validé. À propos, mes recherches ont bien avancé. Je te parlerai de tout à plus tard, pour l'instant je te laisse ranger tes photos tranquillement. Je pense qu'à partir de ça, il y a une nouvelle zone. J'ai une étoile diamant. Ah, ça change tout. Mais une étoile diamant... Deux étoiles, mieux que une étoile diamant, non? Oh. Ah, oh, j'ai une super presse derrière. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est Minecraft. Une incroyable quantité d'énergie, oui, je me souviens. Et c'était en mouvement, ce qui laisse penser qu'il s'agissait sûrement d'un Pokémon luminescent. Le système de points m'est étranger. Avec 4000, t'as une étoile sur le Tortank et pour 2900, t'as deux étoiles sur le pigeon. Non, j'ai rien fait de spécial, arrêtez de... Commence à dire c'est ma faute si ce Pokémon luminescent est apparu. Je n'y suis pour rien. Yes. Eh bien, dès qu'on est prêt, on peut repartir en exploration. Écoutez, j'aurais bien envie que lors d'une prochaine session jeu, on reparte en exploration à prendre nos meilleurs clichés de Pokémon. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très rigolo à faire. Et on a vu qu'une zone en plus, on l'a vu de jour, on l'a vu de nuit, certes. Mais ça me donne bien envie de voir ce qu'il en est. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte de Pokémon, New Pokémon Snap, de son vrai nom. Je vais aller me sustenter à partir de maintenant et retrouver mon petit pois carotte adoré. Parce que mine de rien, là, il me manque. Merci à tous pour ce petit live, c'était très cool. Non, je crois pas que ce soit Poulifrite aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu, on a papoté. Et tout ceci en 240p parce que ça fait plaisir. Je vous fais des bisous, je souhaite passer une très bonne après-midi et j'espère pouvoir vous retrouver dans la semaine. Je sais pas comment on va s'organiser parce que là, bon, j'avais ma maman pour superviser la chose. Mais c'est vrai que bah, la semaine, c'est un peu plus compliqué. Donc on fera au mieux, d'accord? On fera pendant que le petit pois sera à la sieste. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, très bon dimanche et à la prochaine, je ne saurais dire quand. Des bisous les amis, ciao !